Ouais, shalom à toi. Ouais, shalom à toi, Charlie. Oui, en tournée européenne, c'est un événement que tout le monde attend d'ailleurs, c'est un événement que tout le monde attend. Il faut dire que le prophète Crasso a une onction spéciale, qui est celle de la destruction des œuvres de la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui, malheureusement, empêche nos bien-aimés de la diaspora. Je me tenais debout pour que je sois plus à l'aise avec, parce que j'ai un dépôt d'onction actuellement pour décoller sur l'Europe. Voilà, donc qui malheureusement qui mettent toute la diaspora en retard, les Camerounais en retard, les Congolais en retard, les Ivoiriens en retard, les Kenyans en retard, toute l'Afrique, toute la diaspora en retard. Et nous sommes premiers, n'est-ce pas, en bauxite, nous sommes premiers en uranium, nous sommes premiers en or, nous sommes premiers en diamant, nous sommes premiers en fer, nous sommes premiers en tout, en matière de ressources minières, nous sommes les numéros un dans le monde. En matière de production, nous sommes premiers en cacao, nous sommes premiers en EVA, nous sommes premiers en banane plantain. Malheureusement, nous sommes le continent le plus pauvre, dit les gens, en état, à cause de cette présence, la présence de la sorcellerie. Les Blancs ont combattu la sorcellerie au Moyen-Âge. Ils ont déclenché ce combat, la chasse aux sorcières, du 15 jusqu'au 17e siècle. Ils sont rentrés dans le 18e siècle, appelé le siècle des Lumières, la révolution d'Israël. Pas parce que les Africains sont bêtes. Pas parce que nous ne pouvons pas être comme eux, nous pouvons bien immerger comme eux, mais malheureusement, il y a cette présence-là de la sorcellerie qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas. Et là où il y a un fléau, Dieu toujours envoie, n'est-ce pas, dans sa grâce, n'est-ce pas, un don pour agir. C'est ça qu'il dit, dans les générations, à chaque époque, Dieu, n'est-ce pas, lègue un pouvoir, n'est-ce pas, une notion spéciale pour régler un problème bien spécifique à un oint. Donc, il a mandaté, il a donné l'onction. Je pense que le Seigneur m'a donné cette onction-là pour régler le problème. J'arrive pour une tournée européenne parce que je pense que les gens travaillent beaucoup, mais ils ont peu. Ils ont travaillé beaucoup, ils n'ont rien. Et la première fois, c'était une prise de contact avec vous, mais cette fois, ce serait du balèze de la délivrance. Est-ce que c'est confirmé cette tournée européenne? C'est confirmé, 22h, je suis dans Air France. Je suis en première classe, à 22h, première classe. À 22h, première classe, vous aurez la vidéo depuis l'aéroport. Félix Boigny, je viens avec une rage parce que je ne suis pas content par rapport à ce que le diable t'a fait. Il t'a fait asseoir dans un fauteuil roulant, il t'a donné des fibrons peut-être dans le ventre. Il a fait qu'aujourd'hui tu as divorcé, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de mari, tu n'as plus de femme. Il a fait que ta société est tombée depuis l'Europe, est tombée, tout a chamboulé autour de toi. Je viens avec une notion spéciale. Je dis spéciale, pas pour te séduire, mais je suis convaincu que Dieu m'a chargé. Parce que cette fois-ci, ça sera une tournée. On va commencer. Et j'annonce en même temps que ce dimanche, de Pâques, et Pâques, vous le savez, est révélateur, c'est symbole de délivrance. Il y aura un concert terrible de délivrance qui va commencer où le prophète Crasso doit commencer. J'aurai l'occasion de vous donner, n'est-ce pas, tout mon programme sur l'Europe, mais ce dimanche, à Paris. Donc, tous ceux de Suède, l'Allemagne, ceux de Danemark, ceux de l'Italie, converger tout le monde sur Paris. Tous ceux qui veulent délivrer de la prise de la sorcellerie, d'une maladie quelconque, converger. Vous savez, il y a toujours des spécialistes dans les domaines. Dans le domaine de la sorcellerie, ce n'est pas de l'orgueil. Je pense que le prophète Crasso, le numéro un, ce n'est pas de l'orgueil. Je ne pense pas qu'on puisse moment critiquer ce que j'ai dit, mais j'ai des preuves. J'ai des preuves parce que j'ai fait beaucoup de choses au niveau de la Côte d'Ivoire. Je viens avec une rage. Cette rage-là contre la maladie dont tu souffres. Mais ce dimanche, il y aura un grand concert de délivrance à Paris. Combien de temps va durer cette tournée? Oui, cette tournée durera pratiquement plus de 2 mois. Hein. Ça va prendre plus de 2 mois cette tournée. Nous serons à Paris, nous serons dans beaucoup de villes de France, c'est-à-dire à Lyon. Nous serons à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Tours, dans beaucoup de villes. Ce serait qu'il faudrait déjà converger sur Paris, afin que nous puissions déjà organiser, n'est-ce pas, ces différentes tournées, parce que on a compris que même dans d'autres villes, les gens ont besoin de ce ministère. Et après, en la France, nous allons attaquer Danemark. Merci à Dosso, qui est déjà prêt, qui a dit que c'était tout à fait prêt. Nous avons besoin de vous à Paris. Venez pour que nous puissions vraiment démarrer. Merci encore pour tous ceux qui sont en Allemagne, qui sont déjà prêts. Merci pour ceux qui sont en Italie, qui sont déjà prêts. Merci pour ceux, n'est-ce pas, qui sont déjà en Espagne. Venez déjà, qui sont déjà prêts. Merci pour mes enfants en Suisse, qui sont déjà prêts. Merci parce que c'est Danemark, la Suède, beaucoup de pays. Et ceux qui aimeraient aussi être sur la liste, vous venez. Et surtout, entrez sur le site du prophète Joël Crasso. Prophète Joël Crasso, ministry.org.
Je précise très bien, www.prophetjoelcrasso-ministry pour toute réservation. N'est-ce pas pour des entretiens, pour des contacts, tout va se piloter à partir de la Côte d'Ivoire. Voilà, pour que ça soit un peu clair, mais je pense que quand je serai dans la salle, je donnerai beaucoup, l'occasion de vous donner, vous éclairer un peu sur mon programme. Mais vous vous dites, je viens cette nuit, je décolle et j'arrive sur Paris. Et Paris va sentir qu'on est descendu à Paris. Oui, Paris va bouger et toute l'Europe, je parle, je dis toute l'Europe parce que je vais vous briser les chaînes de la captivité, de la maladie, de tout ce qui est œuvre de la sorcellerie et vous libérer. Donc ce dimanche, un grand conseil à Paris. Il y a que, le journaliste, tu vois que j'ai beaucoup parlé à cause de l'onction des six mois. C'est qu'on parle de la présentation de ce nouvel album. Oui, là, et on aura l'occasion de présenter la nouvelle album à cause de toi. C'est prophétique à cause de toi. À cause de toi, Jésus-Christ, aujourd'hui, je l'ai délivré. À cause de toi, je vais féconder. À cause de toi, les sorciers ne pourront rien contre moi. Parce que l'album est révélateur. Donc, on aura l'occasion de parler de ça pendant le spectacle et tout ça. Voilà, pendant le spectacle, j'ai précisé très bien, le comité d'organisation a décidé que ça soit 30 euros, que le ticket de vous payez le CD, et puis en même temps, vous rentrez. Le ticket du spectacle, c'est le CD. Dès que vous avez le CD, vous pouvez rentrer pour le spectacle. Ça n'a rien à voir avec un problème de délivrance. À partir de ça, dans ça, nous aurons l'occasion de planifier tout. Mais c'est en heure. Ne t'inquiète plus, c'est fini. C'est fini cette histoire. C'est fini et c'est fini. Shalom !